Salut, aujourd'hui je vais répondre à une question qu'on m'a posée. Est-ce que commencer l'immobilier ou l'entrepreneuriat après 40 ans, c'est une bonne idée? C'est parti! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Frugalisme. Bien évidemment, le frugalisme, c'est l'art d'apprendre à en faire plus avec chaque euro qu'on a dans notre porte-monnaie pour faire des économies au quotidien, évidemment, mais également réduire notre impact sur l'environnement. C'est une préoccupation qui est importante. En tout cas, c'est une préoccupation qui l'est pour moi. Essayer de donner plus tard à nos enfants un endroit, un environnement, une planète qui soit la plus belle possible. On va pas se mentir, c'est compliqué, c'est un peu mal barré, mais c'est pas pour ça qu'il faut baisser les bras, bien au contraire. Le frugalisme, c'est aussi générer de la valeur pour justement réduire au maximum ton besoin d'argent. Mais si tu veux ne plus avoir besoin d'échanger ton temps de vie contre de l'argent dans le cadre d'un job salarié, il va falloir apprendre à générer des revenus alternatifs, bien évidemment. Que ce soit de l'immobilier, de la bourse, de l'entrepreneuriat, c'est ça l'idée de se libérer de l'enfer du quotidien, c'est de faire en sorte que tu aies des petits revenus alternatifs, des petits ruisseaux, et puis tu vas les faire monter en puissance petit à petit, chacun, tu vois, en équilibrant, en diversifiant, et ces petits ruisseaux, ils vont finir par faire des grandes rivières importantes, fortes, puissantes, qui vont peut-être finir par égaler ton besoin d'argent qu'entre-temps, tu auras réussi à minimiser. Et à ce moment-là, forcément, tu seras libre de pouvoir décider de lever le pied, tu seras libre de pouvoir retrouver la maîtrise de ton temps pour faire ce que tu veux, pour passer du temps aussi avec ceux qu'on aime, puisque notre but à tous, c'est d'être libre, bien entendu, mais libre, comment dire, de retrouver notre temps, parce que le temps ne passe qu'une fois, c'est ça surtout qu'il faut comprendre, c'est que chaque minute, chaque seconde qui est écoulée, elle est perdue à jamais. Alors c'est vrai que, peut-être tu es en train de te réveiller et de te dire « Ah ben oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé !» Je sais ce que c'est, je l'ai vécu, moi je l'ai vécu relativement tard, j'avais déjà 30 ans passé et j'étais dans une situation qui était fragile puisque j'étais intermittent du spectacle. Donc la précarité, crois-moi, par nature, je la connais. Et si tu veux, le truc, ce que je faisais, c'est que j'essayais de multiplier au maximum les employeurs pour justement me mettre en sécurité. Mais quand tu te retrouves avec 6 employeurs différents, à un moment, les mecs, il faut les contenter, quoi, tu vois. Et ça fait que je me retrouvais à faire des mois à 24, 25, 26, 28 dates, ça m'est déjà arrivé. C'est pas raisonnable. Tu vois bien que quand tu vis sur ce rythme-là, sur ces rythmes-là, c'est pas possible d'envisager de construire une famille, un foyer, tu vois. Tu te sépares de tes proches, tu loupes les Noëls, les anniversaires, les Nouvel An, les fêtes des mères, tu vois, c'est tant de moments, tant de souvenirs qui sont perdus à jamais, parce que tu ne pourras pas les rembobiner et les rejouer, c'est pas possible. Est-ce que ça en valait vraiment la peine? C'est ça la question. Au fond, c'est ça la question. Aujourd'hui, je suis à un moment de ma vie où je me rends compte que j'ai justement envie de vivre au maximum de mes revenus alternatifs et de mes activités, notamment sur Internet, pour essayer de profiter vraiment du temps qui passe. C'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel aujourd'hui pour moi. Et je pense que si tu as l'habitude de regarder cette chaîne et les vidéos que je produis, je pense que tu es plus ou moins dans le même, je peux dire la même philosophie, parce que ce serait un petit peu prétentieux, mais on va dire plus simplement le même état d'esprit. Voilà. Bon, alors maintenant, la question, c'est de savoir si à 40 ans passés, c'est trop tard. Alors, si ton objectif, c'est de prendre ta retraite à 40 ans, forcément, à 41 ans, ça va être un petit peu trop tard. Oui, c'est vrai, mais pas de panique. Il y a quand même plein de solutions qui sont tout à fait envisageables. Moi, je connais des personnes qui ont réussi à obtenir leur indépendance financière, c'est-à-dire ne plus avoir besoin de bosser en 5 ans. En 5 ans, ils ont réussi à le faire. Attention, c'est du taf, il a fallu qu'ils se forment. Parce que quand tu décides de t'engager là-dedans, il s'agit de te former pour investir en toute sécurité, pas à pas et à ton rythme. Parce que si tu as déjà tes occupations et ton taf et ta vie de papa, de maman, c'est des choses qui sont compliquées, tu vois. On a tous nos réalités, c'est ça le truc. Bon, c'est aussi pour ça que la formation que je propose, en bonus, il y a 4 heures de coaching qui sont inclus dedans pour vraiment t'aider à faire en sorte que ce soit adapté par rapport à ton profil, tes problématiques, ta situation. Voilà. Et donc, à savoir, est-ce que 40 ans, c'est trop tard? La réponse, je vais essayer de le dire le plus clairement possible, c'est non, 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 c'est pas trop tard. Et si tu veux, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'énerve et sur lequel il faut vraiment que j'insiste, c'est que quand j'étais trop jeune, j'osais pas y aller, j'osais pas investir et je restais sur le quai à regarder les trains passer et à me dire, c'est pas pour moi parce que j'ai pas les sous, c'est pas pour moi parce que j'y connais rien, c'est pas pour moi parce que c'est pas mon caractère, c'est pas pour moi parce que faire de l'argent, c'est mal. Tu vois un peu le truc? J'arrivais pas à le former.
formulais avec ces mots-là, hein, mais ces impressions-là, elles étaient quand même présentes en moi, quoi. Et ça, c'est terrible, hein. C'est vraiment quelque chose qui est terrible, parce que le seul résultat de ce truc-là, c'est que le temps passe, et toi, tu fais rien. Et voilà, jusqu'au jour où tu te réveilles et où tu te dis oh, « Ah ouais, c'est vrai que ça aurait peut-être été pas mal que je me constitue des actifs rentables pour être moins dépendant de mon job, moins dépendant et puis moins flippé du quotidien. » On le sait, hein, le monde va pas très bien et on s'apprête à vivre des jours mouvementés. Donc forcément, on n'a pas envie d'avoir cette angoisse, cette espèce d'épée de Damoclès, cette menace pour notre quotidien et pour ceux qu'on aime. On a envie de sécuriser tout ça au maximum. Voilà, c'est un peu l'esprit que je voulais essayer de faire passer et surtout te dire que quand t'es trop jeune, on va te dire « Bah non, t'es trop jeune, il faut que t'attendes. » Et puis d'un seul coup, tu te réveilles et puis on te dit « Ah ouais, t'es trop vieux, t'aurais dû commencer avant. » Mais hé, hey, oh, c'est quand le bon moment en fait? Quand est-ce qu'il aurait fallu le faire? Vous pouvez me le dire? Alors tiens, je vais vous poser une question. Dites-moi en commentaire, c'est quoi pour vous le bon âge pour commencer, hein? Alors moi, je vais te répondre direct mon avis, hein. À mon avis, le bon âge, c'est dès que tu t'es réveillé, dès que tu as pris conscience de ce truc-là, voilà. Et que tu es en capacité d'apprendre, de te former et d'investir en toi. Voilà, et ça, ça peut être à 15 ans, ça peut être à 14 ans, ça peut être à 18 ans, ça peut être à 60 ans. N'oublie pas, ça peut être à 60 ans. Bon, alors, c'est pas forcément le super exemple parce que, comment dire, je recommande pas ces restaurants-là, mais tu connais les fast-food KFC. Le mec qui a fondé les KFC, il a fait ça, il avait 60 ans passé. T'imagines? Il avait 60 ans passé. À l'âge où d'autres personnes décident de ne plus rien faire, de devenir inactif. J'insiste, hein, quand je dis prendre sa retraite anticipée, quand je dis... je parle pas du tout d'être inactif, hein, attention, hein. Moi, je suis pas inactif et mon but, c'est pas du tout d'être inactif, hein. Vraiment, c'est pas ça. C'est de sortir de l'enfer du quotidien. C'est de sortir du métro-boulot-dodo. C'est ce qu'on appelle un peu communément la rat race, hein, la course des rats, c'est-à-dire de croire que le bonheur, ce sera toujours demain et qu'il va falloir continuer à t'acharner, à bosser comme un malade pour accumuler toujours plus de choses dont on n'a pas besoin et qui ne te procurent ni plaisir, ni utilité, ni joie, ni bonheur. Et toutes ces affaires que tu te retrouves chez toi, elles finissent par être t'engluer, tu vois. Et tu finis par en être prisonnier, tu en es esclave. Si tu crois en toi, que tu te donnes les moyens de tes ambitions, eh bien, tu vas finir par y arriver. Ça va demander du taf, ça, on va pas se mentir. Mais la meilleure des choses que je pourrais te conseiller, le meilleur conseil peut-être de la vidéo d'aujourd'hui, le seul message que je voudrais te dire, c'est qu'il est jamais trop tard pour planter un arbre. Okay? Acheter un appartement avec un crédit immobilier, un investissement rentable, hein, mais ça s'applique à d'autres domaines, c'est planter un arbre. Cet arbre, ça va te demander du boulot pour le planter parce qu'il va falloir choisir l'arbre, creuser le trou, le mettre dedans, l'arroser, machin. Mais cet arbre, ce pommier, il va te donner des pommes chaque année. Et ça, c'est magique. C'est vraiment ça l'esprit, c'est pas de te dire « Viens, tu vas voir, je vais te montrer, achète ma formation et tu vas apprendre à générer des revenus passifs. » Non, 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 ça c'est pas réaliste et c'est pas tout à fait honnête, je pense. Moi, je préfère l'idée de se dire qu'on va se former, on va faire les choses étape par étape, en toute sécurité, pour apprendre vraiment à faire des choses intelligentes qui vont peut-être pas te donner les rentabilités les plus explosives, hein, qui vont peut-être pas te faire de toi le nouveau milliardaire internet, mais qui vont peut-être t'apprendre justement à sécuriser au maximum, à faire des choses simples, sécurisées, que tu comprends. Un deuxième conseil que je peux te donner dans la vidéo d'aujourd'hui, ne mets jamais ton argent, ne va jamais mettre un copec dans un truc que t'as pas parfaitement compris. Si tu ne comprends pas exactement tout, si t'as pas complètement décortiqué toute la mécanique qu'il y a derrière, je pense que ça revient à jouer au poker que de mettre de l'argent dessus. Ouais, tu peux gagner de l'argent, c'est cool, ouais, mais tu peux aussi en perdre, faut pas t'étonner. Moi, quand je mets un euro dans quelque chose, je veux vraiment comprendre ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de le faire et comment ça va marcher derrière. Voilà, si tu es dans le même état d'esprit, eh ben, n'hésite pas à nous rejoindre. Il y a le groupe Discord sur lequel on peut échanger, hein, qui est complètement gratuit. Il y a également le guide des techniques frugalistes, mais bon, ça tu le sais, hein, il est complètement gratuit. Il te permet d'arriver à mettre en action tout un tas de techniques, de conseils et de recommandations. Il y a plus de 80 pages, hein, et à la clé, c'est potentiellement des milliers d'euros d'économies, hein, que tu peux faire, c'est pas de la blague. Et puis, si tu veux passer à la suite, il y a mon programme de formation dans lequel il y a 10 heures de vidéo. On fait un bilan de ta situation pour vraiment voir où tu en es et comment tu pourras arriver à améliorer ton quotidien. Mais surtout, eh bien, on voit
ensemble comment tu vas apprendre à générer des actifs, à générer de la valeur. Tu vas pas seulement mettre en pratique les principes du frugalisme, mais surtout passer à l'action de manière intelligente, sécurisée, étape par étape, compte tenu de ton profil, de ton parcours, de ta situation, de tes ambitions. Et c'est la raison pour laquelle en bonus de cette formation, c'est inclus dedans, il y a 4 heures de coaching personnel entre toi et moi pour que je t'aide à dénouer des problématiques qui peuvent être les tiennes. Si tu veux plus d'informations par rapport à ça, n'hésite pas, tu me contactes, on peut en discuter complètement gratuitement, un rendez-vous de 1 quart d'heure, 20 minutes. Enfin, je dis ça, j'ai des personnes à qui le rendez-vous il s'est transformé en plus 1h30 que 1 quart d'heure. Parce qu'on avait du plaisir à discuter ensemble et à échanger. Voilà, donc t'hésite pas à me contacter et puis je me ferai un plaisir de répondre à tes questions, à tes interrogations. Si tu veux aider une personne de ton entourage et que tu sens que cette personne elle a besoin d'apprendre à passer à l'action, de se motiver peut-être, n'hésite pas à partager cette vidéo avec elle. Ça va certainement lui apporter quelque chose, j'en suis convaincu. Je te souhaite une excellente journée, à demain. Merci, salut, ciao.